Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue sur TV Radio de Vie. Voilà, on a eu un petit souci, je crois, technique. C'est parti. Et Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité, ton amour. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, on est en direct sur TV Radio de Vie. On parlait tout à l'heure avec mes frères difficultés que nous rencontrons en travaillant en travaillant cette Bible, cette révision, et nous avons vraiment besoin de vos prières, et les choses avancent, l'œuvre avance. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Alors ce soir, on va procéder par des questions-réponses avec la parole à l'appui, et vous avez également la possibilité de nous appeler pour éventuellement nous poser vos questions. Voilà. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes les belles choses qu'il nous fait vivre. Et samedi dernier, nous avons vécu des belles expériences dans sa présence. Et aussi, nous avons été encouragés par la visite de nos frères et sœurs de Marseille, du Sud, de Niort, de Nice, tout ça. Et voilà, on a été grandement bénis, fortifiés. Et sans oublier, bien sûr, ceux qui sont venus de l'Italie, hein, des amis qui sont venus d'Italie, tout ça, qui étaient là. Et il y en a d'autres qui viennent d'ici et là. Et on est vraiment beaucoup encouragés. Nous nous demandons justement qu'est-ce que nous faisons réellement pour qu'il y ait autant de choses. En fait, on ne fait rien. Parce que Yeshua, le Messie, a tout accompli. À lui toute la gloire. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors bonsoir, Nicolas et David. On va attaquer avec les questions, hein. Bonsoir. Donc voilà, à vous la Je vais parole. commencer alors. Alors, ma première question, c'est un peu par rapport à la confusion qui existe en fait dans les églises, dans les assemblées, c'est par rapport aux songes et aux visions. Alors, ma première question, c'est quelle différence y a-t-il entre un songe et une vision? Ma deuxième question, comment les prendre? Parce qu'aujourd'hui, les visions, j'ai l'impression, dans ce temps-là, les visions prévalent sur la parole et on s'appuie plus sur ce qu'on reçoit en dormant que sur ce qui est écrit. Alors, si tu peux un peu nous éclaircir par rapport ça, justement. Oui, effectivement, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de confusion. Et on est dans Amos, hein, Amos, chapitre 8, verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos 8 au verset 11 qui dit: Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà, et on est ici dans une. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, et le prophète Amos va parler du temps messianique, donc c'est-à-dire de la naissance de l'Église à la fin de temps, à la fin de ce monde organisé. Et Amos a prédit des choses qui allaient arriver, et ici il nous dit que. Et justement, il va y avoir, qu'il allait avoir justement la faim et la soif de la parole de Dieu. C'est-à-dire littéralement, la vraie parole allait disparaître. Et je crois personnellement que nous sommes de cette génération justement où la parole est devenue rare. Et cette parole, donc l'évangile pur, l'évangile vrai, l'évangile véritable, dont Christ, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est au centre, est le centre. Cet évangile a disparu, cet évangile qui annonce le retour du Seigneur, qui annonce, qui proclame le retour, hein, au fondement apostolique, au fondement biblique. Et elle a été, cette parole, remplacée par, malheureusement, plusieurs doctrines, et notamment des traditions d'hommes, tout ça, y compris aussi, comme tu l'as souligné, des visions et des songes, des prophéties, des révélations. On entend beaucoup le mot révélation, révélation, vision, songe, que des gens reçoivent ici et là. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Malheureusement, les expériences, donc vision, prophétie, vision, songe, tout ça, miracle, sont souvent, mes amis, mis sur le même pied d'égalité, voire au-dessus de la parole, n'est-ce pas? Si les visions et les songes sont fréquentes
les visions et les songes sont fréquents aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu se fait rare. Et qu'est-ce que la parole du Seigneur nous dit? Nous sommes dans Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Et est-ce que tu peux, s'il te plaît, David, nous lire à partir du verset 1er? Deutéronome chapitre 13 au verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà, donc là nous avons la première mise en garde. Hein. Donc Dieu met en garde son peuple et il dit, s'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est sûr qu'à notre génération, il y a eu une croissance hein, exponentielle des visions et des songes, voilà, aussi bien démoniaques que sataniques, charnels. Et voilà. Et Dieu dit, s'il se lève du milieu de toi, donc un prophète ou un songeur, et qui t'annonce des choses qui se réalisent, et que par la suite, il te demande d'aller voir d'autres dieux, c'est-à-dire de te détourner du commandement de Dieu, c'est-à-dire de la parole, des saintes écritures, et bien même s'il y a eu accomplissement de la prophétie ou du songe, de la révélation de ce prophète ou cette prophétesse, il ne faut pas, n'est-ce pas, suivre cet individu. Donc vous voyez bien que Dieu nous fait comprendre ici que l'accomplissement des prophéties, des visions, ne doivent en aucun cas annihiler la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc vous voyez à quel point Dieu place au-dessus des prophéties, des visions, des prophètes, sa parole. N'est-ce pas? Parce que le prophète ici est celui qui vient de la part de Dieu soi-disant, et celui qui parle, donc c'est l'homme de la parole ou la femme de la parole, c'est ça le ministère prophétique. Et Dieu dit ici que sa parole est au-dessus des prophètes, au-dessus des songes, au-dessus même des accomplissements des prophéties et des songes. Parce que une prophétie qui s'accomplit, n'est-ce pas, peut aussi induire en erreur les enfants de Dieu au point où ils vont suivre le songeur ou le prophète sans vérifier à chaque fois tous ces faits et actes à la lumière de la parole, à la lumière de l'évangile. Et Dieu dit qu'un tel prophète, un tel songeur doit être, n'est-ce pas, tué. À l'époque, il devait être lapidé. Donc, voilà. Donc, on voit déjà ici dans Deutéronome 13 que Dieu met au-dessus des prophètes, au-dessus des prophéties et révélations, sa parole. Sa parole, c'est d'abord l'évangile qui doit, n'est-ce pas, que nous devons suivre. Voilà. Ensuite, et nous sommes dans 1 Roi chapitre 13. Nous lisons 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1er. 1 Roi 13 au chapitre 13, verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Et la main de Jéroboam avait et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi,
afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans la maison, dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau », ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Ok, donc on peut s'arrêter là, je pense que beaucoup connaissent cette histoire. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que il y avait deux prophètes, bien sûr, un jeune et un vieux. Le vieux était disqualifié, il n'était plus avec le Seigneur, Dieu n'était plus avec lui. Et le jeune était de la nouvelle génération. Dieu est avec lui, le Seigneur l'utilisait puissamment. Dieu va l'envoyer parler à Jéroboam. Et on voit comment, n'est-ce pas, ce jeune prophète a résisté à la proposition du roi. Il aurait pu se laisser séduire, hein, parce que voilà. Donc quel est cet homme qui n'aimerait pas être à côté d'un roi, n'est-ce pas? À moins que ce soit vraiment un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et la parole nous apprend que le roi va lui faire une belle proposition, tout ça, cet homme de Dieu va refuser, n'est-ce pas? Et par contre, Satan va se servir d'un autre prophète, donc de la prophétie, des visions, pour séduire cet homme de Dieu. Et le vieux prophète va, n'est-ce pas, lui proposer de venir manger chez lui, alors que Dieu le lui avait interdit. Et le jeune prophète va quand même résister dans un premier temps, en disant non, Dieu m'a dit de ne pas manger chez quelqu'un, de ne pas, n'est-ce pas, prendre le même chemin que j'ai pris à l'aller et pour le retour. Et le vieux prophète lui dira, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé. Et on a précisé qu'il lui mentait. Un ange m'a parlé. Vous voyez, donc, il va se servir d'une vision mensongère, d'une prophétie mensongère pour atteindre le prophète véritable. Vous voyez? Et c'est terrible. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à faire confiance à ceux et celles qui viennent nous parler de la part de Dieu, à prêter attention à leur vision, à leur songe, à leur doctrine, parce qu'on se dit, bon, ils parlent de la part de notre Dieu. Donc, il y a la crainte. Hein, de ne pas décevoir le Seigneur, de ne pas se rebeller. Donc on va prêter attention aux prophéties, aux visions, et très souvent, on va se faire avoir. Et là, justement, le jeune prophète va se faire avoir, et le vieux prophète lui mentait, parce qu'il était certainement jaloux, étant donné que Dieu n'était plus avec lui. Et
malheureusement, le jeune prophète va céder. Au lieu de rester ferme, hein, ferme et fidèle à la parole qu'il avait reçue du Seigneur, non, il va céder. Et la suite, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la désobéissance à la parole du Seigneur, mes amis, engendre, provoque la mort. Voilà. Donc, il va mourir. Et puis, voilà comment son ministère va prendre fin. Vous avez vu, hein, donc le vieux prophète, il a dit clairement, un ange m'a parlé. Un ange, un messager m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. J'ai vu en vision. Je dormais, j'ai eu un songe. Dieu m'a dit. Dieu m'a amené au ciel, en enfer. Des prophéties comme ça, il y a mes amis, sont légion à l'heure actuelle. Quitte à vous maintenant, enfants de Dieu, d'être assis dans la saine doctrine, n'est-ce pas? Pour ne pas vous laisser avoir par ces charlatans. Alors, écoutez bien, David, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend ici, Nicolas et David, et vous qui nous suivez? Paul va se servir de cette histoire, certainement, pour avertir les Galates, hein, dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Galates chapitre 1er, verset 1, 7 à 9. Chapitre 1er, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais Oui, il y mais ait... même verset 6. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, Paul était catégorique. Pourquoi? Parce que les Galates étaient très versatiles. Hein, donc, ils aimaient beaucoup entendre des propos, des discours. Voilà, donc, ils prêtaient leurs oreilles à toutes sortes de choses, hein, de niaiseries, d'histoires, de choses qu'on racontait ici et là. Donc, ils n'étaient pas vraiment stables. Et Paul les connaissait bien, parce qu'il a fréquenté pendant très très longtemps cette région, donc, de la Galatie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Paul va apprendre que les Galates avaient abandonné l'évangile véritable au profit, n'est-ce pas, des traditions d'hommes. Parce que des faux prophètes, des judaïsants, donc des docteurs qui étaient bien sûr originaires de la Judée, étaient arrivés en Galatie et avaient enseigné des choses qui n'avaient ni tête ni queue, notamment certaines pratiques mosaïques qu'ils imposaient aux Galates. Et Paul, n'est-ce pas, va même, il va être étonné en disant que qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné? Les Galates étaient fascinés par justement des songes, des visions, des messages autres que l'évangile basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Et Paul leur dit justement, et si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annoncez un évangile s'écartant de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. C'est terrible, frère. C'est terrible. Donc Paul est en train de nous faire comprendre ici que, comme Dieu l'a dit, hein, dans Deutéronome 13, on l'a lu, Paul est en train de mettre l'évangile au-dessus des anges. Il dit que même si un ange du ciel, qu'il soit Gabriel, qu'il soit Michaël, vous annonce un autre évangile, il ne faut pas les écouter. Il dit, si un ange, un messager, vient avec un autre évangile, il ne faut pas l'écouter. C'est terrible, frère. Donc, il faut vraiment que les enfants du Seigneur soient saignés. Que les songes et les visions, les prophéties ne doivent en aucun cas remplacer la saine doctrine, l'évangile. Parce que très souvent, ceux qui utilisent l'expression Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel, ils vont souvent s'en servir pour manipuler, pour contrôler, pour imposer leur doctrine, n'est-ce pas? Pour asseoir leur vision, leur doctrine. Or, on ne peut pas bâtir un ministère ou une église sur des visions, sur des songes, des révélations, tout ça là, parce que le diable est un expert en matière des songes, des visions, tout ça. Voyez? Allons voir ce que Paul dit aussi aux Galates, parce que vous voyez, Paul exerçait réellement son ministère d'apôtre, de prophète,
et pour avertir. Nous sommes dans Colossiens et chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Alors voilà, donc on voit bien que ces personnes peuvent se servir de leur vision, leur songe, et pour emprisonner les gens, pour capturer le peuple, captiver les gens, et ils s'appuient, donc ces hommes et ces femmes, non sur l'évangile, sur Christ, mais sur les principes élémentaires du monde, sur les traditions, n'est-ce pas, des hommes. Hein, donc, et il dit au verset justement, au verset 18, Verset 18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Voilà, que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, voyez, ne vous ravisse à son gré. Hein, donc le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, Donc vous avez ces hommes et ces femmes qui font des CD, des enseignements ici et là. Ils s'abandonnent à leurs visions et à leurs songes. Voyez, quand vous avez des gens, si vous avez des gens qui vous disent, oui, Dieu m'a dit que les femmes qui portent des pantalons, si elles meurent, elles vont en enfer. Mais ça, c'est une décision de vision complètement démoniaque. Il n'y a pas besoin qu'on vous dise, mes amis, il n'y a pas besoin d'être prophète pour le savoir. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit qu'une femme qui porte un pantalon va aller à l'enfer. Parce qu'à la base, le pantalon n'est pas un vêtement d'homme. À la base, c'est un vêtement. Le pantalon, mes amis, ne date pas d'aujourd'hui, hein, mes amis. Hein, 3000 ans au moins avant Jésus-Christ. Et c'est apparemment les Chinois qui sont les premiers à avoir inventé ce vêtement. Et ce n'était même pas pour les hommes, c'était pour monter à cheval. Voyez ? Donc, c'est terrible. Donc, une femme, un prophète, une prophétesse qui fait des enseignements, qui vous dit que les femmes qui portent des pantalons vont à l'enfer, vous devez savoir, chrétien, que c'est carrément diabolique. C'est carrément le diable qui parle par sa bouche. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui le dit. Dans la Bible, la parole est claire. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, Jean chapitre 3 nous dit, Christ dit clairement, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Hein, Jean chapitre 3, verset 36, on peut le lire rapidement. Donc, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, celui qui croit. Donc, il est question de la foi. Hein? Il est question de la foi. Donc, c'est la foi qui est déterminante, frère. Hein? Donc, c'est la foi qui détermine, la foi qui détermine les choses. Et celui qui a foi en Dieu et qui le confesse, qui le manifeste, qui vit cette foi dans le quotidien, qui va aimer son prochain, qui va craindre Dieu, qui va prier pour ses ennemis, qui va obéir au Seigneur, eh ben celui-là a la vie éternelle, comme 1 Jean 5 le dit. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Donc vous voyez, c'est la foi en Dieu, au nom de Yeshua, en Yeshua qui sauve. Donc ce n'est pas le fait de porter le pantalon ou pas. Une femme qui met un pantalon serré dans le but de séduire les hommes, nous savons que là, dans son cœur, il y a une semence de destruction. Donc, ce n'est pas une femme de Dieu. Un homme qui s'habille sexy pour séduire les femmes, nous savons qu'à la base, c'est le cœur qui est tortueux, qui est malade, qu'il faut soigner. Donc, les personnes comme ça qui veulent détruire les autres par la séduction ne sont pas de Dieu. On est d'accord, ne sont pas sauvées. Mais de là à dire qu'une femme, hein, qu'on était en enfer, qu'on a vu que Dieu, on a vu des femmes, quelqu'un qui dit qu'il était en enfer, qu'il a vu des femmes en enfer parce qu'elles portaient des pantalons ou parce qu'elles portaient des mèches, des tresses. Mais attendez, les amis. Attendez, nous sommes d'accord que les cheveux naturels de certaines femmes, des femmes qui sont comme les brésiliennes, qu'on appelle les brésiliennes, qui sont portées par des femmes, surtout des femmes africaines, parce qu'elles ont un problème de cheveux, hein, les cheveux crepus, et souvent ça se casse, leurs cheveux naturels. Donc ces femmes qui portent ces cheveux naturels peuvent attraper des choses, on le voit.
mais les mèches synthétiques, tout ça, là, frère. Une femme qui porte des mèches synthétiques naturelles, simples, tout ça, là, discrètes, vous allez lui dire que si elle meurt, elle va en enfer. Mais ça, ce n'est pas une doctrine du Seigneur. C'est carrément le diable qui envoie ses prophètes et ses prophétesses. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pour semer la confusion. C'est pour, mes amis, annihiler l'œuvre de la croix. Parce que on ne va pas en enfer parce qu'on porte un bout de tissu ou parce qu'on porte un bout de cheveux. On va en enfer parce qu'on n'a pas foi en Dieu, parce qu'on ne respecte pas, mes amis, sa parole. Il n'y a aucun verset dans la Bible de Genèse à Apocalypse où il est question, mes amis, des personnes qui vont en enfer parce qu'elles portent des pantalons, parce qu'elles portent des cheveux. Tout ça, là, ce sont des visions complètement démoniaques. J'ai une question justement par rapport en fait au fait d'aller en enfer. Il y a des personnes, des mêmes personnes qui disent que le fait de ne pas donner la dîme, ça emmène en enfer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pareil, Nicolas, mon frère, si quelqu'un vous dit que parce que vous ne payez pas la dîme, vous irez en enfer, eh ben, c'est aussi une condamnation qu'on met sur vous. C'est, il n'y a aucun verset dans les Saintes Écritures qui nous dit qu'une personne qui ne paye pas la dîme irait, n'est-ce pas, en enfer. Et c'est complètement faux. Donc nous sommes dans Galates, justement, chapitre 3. Galates, chapitre 3, nous lisons le verset 10 à 13. Galates 3, 10 à 13. Mais tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit: Maudit est quiconque ne persévère pas à faire toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. Or, la loi ne justifie pas par la foi, mais elle dit: L'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ici? Paul nous apprend que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi et la pratique de la dîme, hein, donc la régularité du paiement de la dîme était une pratique mosaïque. Et nous sommes justement, parce qu'on nous dit que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, et nous sommes... on va prendre un verset dans Hébreux chapitre 7, le verset 5, justement. Hébreux 7, 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. OK. Donc on voit ici que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Donc c'est la loi mosaïque qui donnait l'ordre, qui obligeait les gens, les Hébreux, hein, à payer la dîme. Or, Paul nous dit ici que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et il est dit au verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, Paul le dit. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est là, c'est clair. Donc, le juste ne vivra pas en refusant de porter de pantalon. Le juste ne, il n'est pas dit que le juste vivra parce qu'il refuse de porter le pantalon ou parce qu'il refuse de porter des mèches ou homme ou femme, hein, mais parce qu'il a la foi. La foi est spirituelle. D'accord? C'est la confiance en Dieu. Et Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, donc que les enfants du Seigneur ne soient plus condamnés, hein, donc Paul le dit également dans Romains 8, hein, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, donc soyez délivrés de tous ces mensonges de Satan, tous ces mensonges de l'ennemi, et là, parce que ceux qui vous obligent à payer la dîme, posez-leur la question, à qui paye-t-il leur dîme. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, que Dieu nous garde. Alors, si c'est possible, l'équipe va nous balancer quelques images, hein, de ces prophétesses, ces prophètes qui aiment aussi s'habiller en blanc, hein, qui ont une tenue spécifique pour faire peur aux gens. Voilà. Donc, là, nous avons une belle image, hein, de ces prophètes. C'est des sectes, souvent, hein, qui viennent aussi de l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale, hein. Donc c'est des gens qui s'habillent souvent en blanc.
Donc, méfiez-vous des gens qui s'habillent en blanc, haut blanc, bas blanc, le mouchoir ou le foulard blanc. Ils sont sur Internet, ces hommes et ces femmes, et ils donnent beaucoup de visions, beaucoup de songes, comme quoi ils étaient en enfer, et Dieu leur a parlé. Et ces femmes font beaucoup, beaucoup de. Mettent beaucoup de confusion dans les cœurs des femmes qui ne sont pas enseignées. Et c'est souvent les femmes qui sont leurs victimes. C'est pour cela, mes amis, mes frères, vous les hommes, soyez des hommes dignes de ce nom et veillez sur vos femmes pour ne pas qu'elles tombent sous le charme, sous la confusion de ces femmes séductrices qui ne sont même pas, mes amis, soumises à leur mari, comme la parole le dit. Hein, donc, je comprends pourquoi Paul aussi avait dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Parce que, honnêtement, je peux vous assurer, frères et sœurs, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les femmes. Au contraire, nous encourageons les femmes qui aiment le Seigneur, tout comme les hommes. Mais la plupart des prophétesses, des femmes prophétesses, la plupart, elles sont à côté de la plaque parce qu'elles ont des songes et des visions à tous azimuts. Et elles débitent toutes sortes de visions, de songes, d'enseignements erronés. Et elles ont souvent sous leur juron, mes amis, sous leur contrôle, plusieurs autres femmes qu'elles contrôlent. Et c'est terrible. Elles font des dégâts incroyables. Il faut vraiment veiller, veiller, vérifier dans les Écritures, comme les Béréens, dans Actes chapitre 17, ils examinaient dans les Écritures les enseignements de Paul. Voilà, donc quelle que soit l'onction que Paul avait, mais les Béréens étaient profondément attachés aux Écritures. Voilà, que Dieu soit béni, chrétien, que ce soit prophète ou prophétesse, apôtre ou docteur, qui viennent vous voir avec des visions et des songes sur vous, sur vos familles, vos maris, votre avenir. Veillez pour ne pas vous laisser séduire par ces belles prophéties, belles visions que ces hommes et ces femmes ont sur vous. Voilà, Dieu parle, c'est vrai, comme Job 33 le dit. Hein, en songe, en vision, mais il faut toujours les vérifier dans les Écritures. Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pote, c'est Joël. Oui, Joël. Oui, ça va? Oui, très bien, merci, et toi? Oui, ça va, par grâce de Dieu. Je voudrais te poser aussi une question pendant, vu que je vois que tu es en train de parler par rapport à l'enfer, tout ça. Je voudrais savoir, est-ce qu'une personne qui n'est pas baptisée peut aller en enfer? Parce qu'il y a une doctrine qui sort là du fait que ceux qui ne sont pas baptisés, eh ben, ils vont en enfer. Ah, c'est grave, c'est aussi une condamnation que l'on met sur les gens. Le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il n'est pas question ici du baptême d'eau. Le baptême d'eau est une recommandation du Seigneur. Donc on est d'accord, il n'y a pas de souci à cela, on le fait, on le pratique. Mais il est question dans Marc 16 là-bas du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans Matthieu 3, 11, Jean dit, et moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le Seigneur parlait du baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est pour cela que quand l'Église est née, les 120 Galiléens étaient baptisés du Saint-Esprit et de feu, n'est-ce pas? Et le baptême du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, 13, Paul dit hein, notamment que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est Christ qui administre ce baptême et c'est la nouvelle naissance. Pardon, c'est la naissance d'en haut. C'est la conversion, c'est la repentance. Et le baptême de l'esprit nous intègre dans le corps de Christ et on le reçoit lors de la conversion. Donc, il n'est nullement question ici du parler en langue. Et ensuite, celui qui, mes amis, qui reçoit Christ, il se fait baptiser le même jour, comme dans les Écritures, baptême d'eau, bien sûr. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont dans les pays où il n'y a pas d'eau, hein, ils font comment? Hein, ceux qui sont dans un désert, dans le désert, où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, pas de courant, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a rien. Et qui ont confessé Jésus-Christ de Nazareth et qui sont morts après. Comment font-ils? Et d'ailleurs, le malfaiteur à qui le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, cet homme, selon les Écritures, n'était pas du tout baptisé, parce qu'il était en train de mourir sur la croix à cause de ses péchés, donc c'était un païen. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc, alors il faut vraiment veiller à toutes ces doctrines qui, mes amis, font des dégâts ici et là.
Et nous devons revenir à la parole. Donc le baptême d'eau, mes amis, est biblique, mais de là à dire qu'une personne qui ne l'a pas reçue va en enfer, c'est du mensonge, c'est Satan qui condamne les frères. Amen. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu soit béni. Au revoir. Au revoir, Joël, mon frère. Alors, est-ce qu'on peut balancer une autre image un peu de ces prophètes, prophétesses habillés en blanc? Et vous savez, la couleur blanche est souvent utilisée pour, voyez, pour séduire, hein, parce que ça a tendance, les gens ont tendance à être attirés par tout ce qui est éclatant, tout ça, et ça cache un peu, mes amis, ça cache même beaucoup, et l'hypocrisie, les rapines, et le serpent qui derrière de tout ça là, c'est des couvertures, voilà. Ces hommes qui sont, ces femmes qui sont habillées en blanc, ils sont pas tous mauvais. Et méchants, mais beaucoup sont ignorants, beaucoup se font avoir. Mais voilà, il faut faire très attention, comme Tite le dit également, Paul le dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Et 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Et voilà. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, Paul dira. Voyez, donc voilà, donc ils ont l'apparence de la piété parce qu'ils sont habillés en blanc, elles sont habillées en blanc, ces prophétesses, elles sont couvertes, voyez, et de plus en plus de femmes vont se couvrir parce qu'elles pensent qu'elles vont aller comme ça au ciel. Mais c'est grave, ce n'est pas un bout de tissu qui va vous sauver, frère, sœur. Non, c'est la foi en Jésus. Voilà, que Dieu nous garde. Il faut que les gens soient enseignés, il faut que la saine doctrine soit, mes amis, enseignée correctement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, ce serait pour poser une question, en fait. Oui. Donc, parce que, comme vous avez expliqué tout à l'heure, au niveau des faux cheveux, etc., c'est pas biblique, c'est pas une doctrine qui vient de Dieu, c'est pas parce qu'on porte des faux cheveux qu'on ira en enfer. Ça, on est bien d'accord. Mais, par exemple, pendant les réunions de réveil, parce que il y a un peu de confusion, enfin, je comprends pas vraiment, pendant les réunions de réveil, des fois, quand vous faites des délivrances, eh ben, il y a des personnes qui ont des cheveux et vous leur dites de retirer les cheveux. J'aimerais avoir un petit éclaircissement là-dessus pour savoir est-ce que ça pouvait les emmener dans l'enfer ou c'est pas pour ça qu'ils sont possédés ou c'est comment? Très bonne question. Merci pour cette question qui peut éclairer beaucoup de frères. En fait, il y a deux types de cheveux. Il y a des cheveux naturels et des cheveux synthétiques. Les cheveux naturels, vous savez, sur il y a eu un reportage sur Arte, donc une chaîne française, hein, il y a la franco-allemande. Et un reportage que vous pouvez retrouver sur, je pense, hein, Internet et sur YouTube, et qui faisait allusion justement aux femmes indiennes qui consacraient leurs cheveux, qui ne se faisaient pas raser, hein, coiffer pendant des années pour garder leurs cheveux et les offrir à Shiva, et alors à plusieurs autres divinités, hein, donc indiennes, et dans des temples hindous, tout ça. Et ces cheveux sont ensuite travaillés et revendus en Europe, ici et là. Et ces cheveux, à la base, qui sont naturels et consacrés aux démons, sont malheureusement portés par plusieurs femmes, notamment des femmes africaines, il y a aussi des femmes européennes. Hein. Et voilà. Et malheureusement, il y a des puissances occultes derrière. Donc, ça ouvre des portes aux démons et on a des cas comme ça, effectivement, pendant la prière où on a vu des femmes possédées et dont les démons ne voulaient pas justement sortir parce que ces femmes avaient des objets qui appartenaient à ces esprits. Donc, et comme le Seigneur disait dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi, rien à moi. Voilà, donc, si on a des choses qui appartiennent à l'ennemi, il a des droits, hein, sur nous après. Donc c'est pour cela que on demande à ces femmes justement de se débarrasser de ces cheveux. Et une fois qu'elles le font, une fois que c'est fait, les démons naturellement s'en vont. Et ces femmes peuvent avoir des cheveux synthétiques, tout ça, ça c'est pas un problème. Et donc, juste pour éclaircir vraiment les choses, donc faut pas en faire une doctrine, que ce soit même quand c'est des cheveux naturels, enfin des faux cheveux naturels. Faut pas en faire une doctrine ou non. C'est au cas par cas ou c'est comment? Non, mais de toute façon, de manière globale, on sait que c'est quand c'est des cheveux des femmes consacrées à des divinités, notamment par rapport à ce reportage qu'on a vu, eh bien, forcément il y a des puissances parce qu'on a consacré ces cheveux aux divinités.
Donc, et on a des cas concrets, on a des cas, d'ailleurs, tu l'as mentionné, et ces femmes possédées ont prié pour elles, les démons ne sortaient pas, et une fois qu'elles ont enlevé leur mèche, ben, elles ont été délivrées. On a eu le cas d'une jeune fille de 16 ans, possédée par un démon, et le démon ne voulait pas partir. Donc, on a prié, prié, et Dieu nous a parlé, hein, qu'il fallait qu'elle enlève ses cheveux, et une fois que ça a été fait, le démon était sorti. Et ses parents, hein, nous ont dit après qu'à la maison, cette jeune fille disait, leur disait, maman, papa, il faut m'enlever mes cheveux parce que je sens que ces esprits ont un rapport avec ses cheveux. Donc voilà. Donc maintenant, de là à faire une doctrine pour dire qu'une femme qui porte des mèches va aller en enfer, ça c'est grave. Ça c'est condamner les gens. Il n'y a aucun verset qui le dit. Paul n'a pas enseigné là-dessus. Paul, Pierre, tout ça, ont parlé effectivement de la tenue décente que doivent porter les femmes qui font profession de servir le Seigneur et ne pas se parer des tresses, tout ça. Mais il faut comprendre aussi le contexte ici. C'était des femmes, notamment juives, qui avaient des longs cheveux. Hein, donc, aussi. Mais une femme qui a des problèmes de cheveux et des cheveux qui se cassent et qui va mettre des mèches synthétiques, pas des couleurs, je ne sais pas comment, mais des mèches normales, pas pour séduire tout ça, mais voilà, on va pas la condamner et lui dire que si elle continue comme ça, elle va aller en enfer. C'est vraiment, mes amis, remettre en cause l'œuvre de la croix. J'ai appris là-dessus qu'il y avait aussi les mèches d'origine russe, les femmes russes qui vendaient leurs cheveux, etc. Donc, en gros, vaut mieux éviter maintenant. Ça peut apporter, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec leurs cheveux, on ne sait pas Voilà. ce qu'ils ont, pourquoi, à quoi ils les ont consacrés. Donc, vaut mieux éviter. Mais maintenant, c'est voilà, c'est pas une Effectivement, doctrine. il faut vaut mieux éviter parce que quand le Seigneur disait, quand le Seigneur a dit, le Seigneur disait, tous vos cheveux sont comptés. Donc, vous voyez quand même qu'il y a les cheveux sont quand même, il y a un rapport quoi. Les cheveux, c'est comme la vie. Et on voit même chez les satanistes beaucoup des sorciers qui témoignent aussi. Hein, on le voit. Et d'ailleurs, voilà, c'est la parole. Et Ézéchiel, par exemple, nous dit la parole était, mes amis, sorti de son corps par le Seigneur, transporté en esprit, et Dieu l'a saisi au niveau des cheveux. Voyez, donc, les cheveux quand même ont un rapport avec l'esprit de l'homme, avec la vie de l'homme. Et donc, certains satanistes, pour assassiner, pour sacrifier des vies, ils vont demander des ongles et des cheveux de victimes. Donc, c'est pour cela que nous conseillons les frères et sœurs, les femmes notamment, à veiller à ne pas porter les cheveux naturels, tout ça. Et voilà. Maintenant, notre problème en fait, nous dénonçons le fait que certaines femmes prophétesses sur Internet ici et là qui sont habillées en blanc et qui vont faire des visions, des songes à gauche, à droite, des prophéties à tous azimuts et qui racontent des niaiseries, des histoires qu'elles auraient vues en enfer pour condamner nos sœurs, condamner les filles d'Abraham, condamner les enfants de Dieu, alors que ces femmes ne sont pas soumises à leur mari parce qu'on ne sait même pas si elles sont mariées et qui vont se mettre à débiter toutes sortes de mensonges et ça fait peur aux femmes qui ne sont pas assises dans la parole. En Voilà, tout ça cas, les... merci pour l'éclaircissement, parce que quand on voit les réunions de réveil, tout ça, ça peut porter à confusion. Mais bon, maintenant, au moins, c'est clair. Et puis, ça, je pense que ça a éclairé d'autres personnes aussi qui voudraient savoir. Donc, que Dieu soit béni. Et puis, merci. Bonne soirée. Merci frère. Voilà. Donc, il faut l'enseignement biblique, il faut revenir à la saine doctrine, à la parole. Hein, mes amis, le salut, on peut le perdre si on le veut, mais pour le perdre, il faut le vouloir. Et on ne va pas le perdre parce qu'on a mis des cheveux, on ne va pas le perdre parce qu'on a mis un pantalon. Mes amis, il faut qu'on arrête de dire des mensonges aux enfants du Seigneur. Et Satan a vraiment ses émissaires. Voilà, il nous faut l'enseignement. Nous devons revenir à la saine doctrine, à la parole. Hein, au message central, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, n'est-ce pas? Donc Père, Fils et Saint-Esprit, la sainte doctrine, la parole véritable. Voilà. Donc je ne sais pas. Voilà, on a quelqu'un d'autre en ligne. Je ne sais pas si vous avez d'autres images, hein, l'équipe technique. Ok, bonsoir. Bonsoir.
Oui, je voulais faire un. En fait, j'appelle toujours par rapport à la question des cheveux, sur les cheveux naturels, en fait, ou les mèches et tissages, qui peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. En fait, je voulais vraiment apporter un témoignage que j'ai vécu chez moi par rapport à ça, parce que je mettais des synthétiques sur ma tête et j'en mettais pas tout le temps, mais j'en ai dû porter quatre. Je peux même les compter. Et quand j'ai reçu le, enfin la vérité, enfin j'ai eu la révélation de Dieu chez moi, et par la suite il a commencé à me délivrer de beaucoup de choses, et j'ai fait un songe où il m'a fait cracher, enfin j'ai vomi tous ces paquets, en fait tout ce que j'avais mis sur ma tête, j'en ai vomi en fait. Et de là le Seigneur m'a fait comprendre en fait que c'est mieux de rester naturel. Donc c'est par rapport au jeune homme qui a appelé, je sais pas, enfin moi je pense que les chrétiennes, les femmes qui servent Dieu, en tout cas comme le dit la parole, de s'habiller décemment, de ne pas se parer de tresses, de toutes ces choses-là, des cheveux tressés, toutes ces choses, parce que le diable en fait s'en sert pour nous détruire. C'est vraiment si elles peuvent, à la limite, si elles ont la possibilité d'être naturelles, parce que moi je sais que le Seigneur, quand il m'a délivré, c'est le message qu'il m'a donné. Donc Ok, c'est alors plutôt maintenant, voilà. je suis d'accord avec toi. Maintenant, le danger vient, ma sœur, quand on commence à prendre son expérience personnelle, quand on se sert de sa propre expérience et qu'on en fait une doctrine qu'on va imposer à tout le monde. Tu vois le danger? Tout à fait. Je prends un autre exemple. Et il y a Paul dit par exemple, quelqu'un considère que tous les jours sont que les jours sont égaux. Que Dieu soit béni, il le dit dans Romains 14. Et quelqu'un d'autre va estimer les jours, il va considérer un jour en particulier comme le Shabbat. Et Paul dit que ben qu'il fasse comme il entend. Il dit également, quelqu'un d'autre dira que bon, moi je préfère manger de la viande. Quelqu'un d'autre dira non, moi la viande c'est pas ça, je vais plutôt manger des légumes. Paul dit que chacun ait une pleine conviction. Maintenant, celui qui va considérer un jour en particulier comme le Shabbat et qui va vouloir l'imposer à tous les chrétiens, il crée une doctrine et il va condamner les autres. Et celui qui ne veut pas manger de la viande, qui préfère manger que des légumes, s'il ne fait pas attention, il peut en faire une doctrine au point de l'imposer à tout le monde. Un autre exemple, nous sommes d'accord que nous devons être naturels. Et ça, c'est le retour à la parole. Nous devons être naturels, c'est-à-dire revenir au Seigneur, ne pas avoir comment dire, beaucoup de choses sur soi, plein de en fait, tout ce qui est extravagance, tout ce qui est or, enfin, voilà, tout ce qui est extravagance. Maintenant, une femme à qui Dieu va demander, par exemple, de ne pas mettre des mèches, même pas de mèches, même pas un tout petit peu, des mèches synthétiques, hein, j'entends par là. Parce que Dieu sait que cette femme est tellement, par rapport à son passé, peut-être que son passé était cette femme aimait beaucoup séduire, aimait beaucoup s'attacher, accorder beaucoup d'importance à son apparence, à son accoutrement pour séduire. Et peut-être que Dieu sait que c'est une faiblesse pour cette personne-là, étant devenue chrétienne aujourd'hui, c'est une faiblesse. Satan peut se servir de ça pour détruire les autres. Alors Dieu va lui dire, ne meurs rien. Comme un homme alcoolique qui a vécu pendant des années dans l'alcool et qui va se convertir, Dieu peut lui dire de ne plus boire d'alcool, de ne plus boire de vin. Parce qu'il sait que, même s'il est devenu chrétien, ben, Satan cherchera toujours à l'atteindre par l'alcool. Et Dieu peut dire à cette personne, ne bois plus aucune goutte d'alcool. Et maintenant, si cette personne ne fait pas attention, elle peut généraliser sa propre expérience au point de condamner les autres. C'est ça le danger que nous décrions justement, qu'il faut éviter. Je suis d'accord vraiment par rapport à ça. C'est juste vraiment, je généralise pas, mais enfin, je veux juste te dire, parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de chrétiens, enfin, de jeunes personnes, de jeunes filles, qui disaient que, ben non, en fait, Dieu, dans sa parole, il n'a pas. Donc, moi, je pense que je peux mettre ce que je veux sur ma tête, Dieu, il comprendra. Donc, c'est Non, pour ça ça, c'est, en nous fait. sommes d'accord. Ça c'est pas une manière de parler quand on est chrétien.
Dieu n'a pas à nous, Dieu ne nous, c'est pas que Dieu va nous comprendre, nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous demande. Je vais prendre un autre exemple. Dieu va te demander de prier de minuit à 3 heures du matin, par exemple. Parce qu'il sait que il sait que l'ennemi veut t'atteindre dans ces heures-là, pendant ces heures-là. Et il va te demander de veiller. Maintenant, toi, si tu n'es pas prudente, tu peux te dire, ah, donc si Dieu me l'a demandé, donc si c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Et je veux généraliser cela à tout le monde. Et tu en fais une doctrine. Et du coup, les frères et sœurs qui travaillent, comment on va dire, de 4 heures du matin à 10 heures, vont se sentir condamnés parce qu'ils ne pourront pas veiller. Ils ne pourront pas prier de 3 heures à 4 heures de minuit à 3 heures du matin parce qu'il faut qu'ils se reposent. Et ils se sentent condamnés. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment, vraiment faire attention pour ne pas transformer nos propres expériences en des doctrines. D'accord. Voilà. Donc, d'accord, je vais profiter juste pour une autre question en fait, parce que j'ai une autre question, c'est le Seigneur a permis qu'il y ait une personne qui me contacte en fait, que je connaissais pas, et cette personne elle était en quête, voilà, Dieu s'est révélé à elle, et elle a décidé, elle priait le Dieu des Juifs, Hachem, parce qu'apparemment il peut pas dire Adonai, si je raconte, je passe un peu les détails. Et elle allait chez les musulmans et arrivée là-bas, le Seigneur l'a déroutée carrément, et sur Facebook, vu que je mettais la véritable parole, bah, elle m'a contactée par Messenger. Et à ce moment, je l'ai appelée, j'ai discuté avec elle. Et elle veut se convertir parce que les Juifs, selon les Juifs, elle dit qu'elle va accepter le Dieu des Juifs. Et elle ne veut pas Jésus. Donc je voulais savoir, en fait, je comprends, enfin je voulais expliquer que Jésus, en fait, c'est rien d'autre que Yeshua, c'est rien d'autre que Yahweh. De la Bible, en fait, de l'ancienne alliance, et juste que Yeshua veut dire Yahweh salut, et elle est en train de chercher en fait une forme de délivrance, parce qu'elle se dit possédée, et donc elle dit, ben, si Jésus viendra sauver les Juifs, pourquoi moi je pourrais pas aller dans le judaïsme, après moi aussi j'attends mon salut. Est-ce que c'est logique, enfin je veux dire, est-ce que si elle, parce que ma question c'est par rapport à, je sais qu'elle écoute, si elle se convertit au judaïsme, est-ce qu'elle aura aussi la possibilité d'avoir le salut au travers, quand Jésus reviendra, voilà. C'est simple. Il faut lui dire, ben, comme il préfère Hachem. Mm-hmm. Parce que Hachem veut dire simplement le nom. Hein, et, mais le problème, c'est que si tu dis que tu appelles quelqu'un le nom, la personne ne va te répondre. Tout à fait. Donc maintenant, comme elle préfère Hachem, eh bien, il faudrait lui demander de dire à Hachem de la délivrer. Voilà. Donc, on ne peut pas demander à vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, il faut être catégorique avec les gens. Si elle ne veut pas de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, tu lui dis que tu ne peux rien pour elle. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Donc, tu sais qu'elle écoute, parce que je lui ai donné quand même, je lui ai dit d'écouter les enseignements. Donc, je pense que là, maintenant, enfin, j'espère en tout cas par la grâce de Dieu que... elle sera touchée et que voilà. Que Dieu soit béni. Continue à prier pour merci. Elle. C'est Dieu qui convainc, c'est l'Esprit qui nous convainc, comme tu le sais. Ok, merci bien, mon frère. Bonne soirée à vous. Merci. Et que Dieu vous bénisse sur le plateau. Merci, au revoir. Voilà, chrétiens, faisons attention pour ne pas faire de nos expériences personnelles des doctrines. Et voilà. Donc, alors, n'allez pas me dire, mais oui, mais quand tu dis que les gens ne doivent pas mettre des photos sur leurs albums, ça, c'est une expérience personnelle. Ben non. Ça, c'est un chantre, un adorateur. Et celui qui ne se montre pas, il se cache. Donc voilà, on n'a pas vu dans la Bible les gens se mettre en avant, ceux qui servaient le Seigneur, et ils étaient plutôt, mes amis, cachés. Voilà, que Dieu soit béni, et voilà. Et il y en a qui disent, oui, mais la dîme, c'est sa propre expérience, pourquoi il veut la généraliser, le fait de dénoncer la dîme, tout ça comme étant une pratique de la loi. Frères et sœurs, la parole est claire, la dîme est une pratique de la loi, ce n'est pas une expérience personnelle de Chora, c'est la doctrine apostolique, voilà. Donc, c'est la parole, donc il ne faut pas confondre les choses, il faut revenir à la parole. Faites attention, mes amis, comme on vous l'a dit, à toutes ces visions, prophéties, révélations qu'on peut vous donner ici. Il y a des gens qui vont au ciel, en enfer, et qui vous disent des songes, hein, des visions de leur cœur. Hein. Et comme justement Jérémie 23 le dit, hein. Donc là, Jérémie a dit des choses terribles ici. Et voilà, donc... Jérémie 23, 9.
sur les prophètes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saines. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Voilà, donc ils ont égaré mon peuple. Et c'est ça, terrible, les visions, les songes qui ne sont pas dans la parole, qui ne correspondent pas à la sainte doctrine, peuvent vous égarer, peuvent susciter en vous de la fausse espérance, un espoir, mes amis, faux, un faux espoir. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. Voilà. Et c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je veux les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent les visions de leur cœur, Ils disent à ceux qui me méprisent l'Éternel et ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Oh, c'est terrible. Voilà, frères et sœurs, c'est terrible. Et qu'est-ce que Dieu dit plus tard? Et voilà, et au verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge disant, j'ai eu un songe. Hein? C'est ça, hein? Je dormais, j'ai eu un songe. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel, n'est-ce pas? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit Yahweh, hein, l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. C'est terrible. Et, hein, et voilà, et c'est terrible. Ils prennent leurs propres paroles, leurs propres visions, les désirs de leur cœur. Parce que ces femmes, parce que ces hommes ne veulent pas voir des femmes, je ne sais pas, servir Dieu ou des hommes servir Dieu, ben ils vont commencer à fabriquer des songes, des visions, qui vont commencer à balancer à tous azimuts. Et les gens ont peur, les gens tremblent. Oh là là, je parle en enfer. Les gens deviennent, mes amis, peureux. Et mais c'est, l'Esprit de Dieu nous donne l'assurance. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous amène le repos. Donc, voilà. Et dans Ézéchiel 14:14, qu'est-ce qu'Ézéchiel nous dit? Et voilà. Et Ézéchiel, pardon, 13. De l'Éternel me fut adressé en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes de Jérusalem qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Malheur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ils suivent leur propre esprit et ils ne voient rien. Quand ils disent qu'ils voient, en fait, ils ne voient rien. Parce que celui qui voit, il enseigne la parole. Il appuie ses dires par des versets, avec des versets. Il appuie ses dires sur des versets. Il s'appuie sur la parole. Il va dans Genèse, il va dans Malachie, il va dans Matthieu, il va dans Apocalypse. Il va vous démontrer la parole. Il va vous partager la parole. Il va vous enseigner la parole. Voyez? Et c'est ça. On a des visions ici. On a eu une vision d'une jeune fille, hein, Nephtali, que Dieu a amenée au ciel.
Et tout ce qu'elle a raconté, mes amis, elle a vu ça. Elle nous a décrit le livre d'Apocalypse. Voilà. C'est pour cela que nous avons mis cette vision en ligne. Parce qu'elle a reçu, alors qu'elle est, elle est, c'est une enfant. Elle était au ciel, elle a vécu le livre d'Apocalypse. Comme Jean, quand il est allé au ciel, les choses que Jean a vues, si vous lisez le livre d'Apocalypse, vous verrez que ça correspond à Ézéchiel. Il y a des endroits où c'est Ézéchiel. Voyez, par exemple, dans Apocalypse 22, où on nous parle de l'eau qui sort du trône et qui va, mes amis, et d'un arbre dont les feuilles guérissent, restaurent les nations, eh bien, il est question d'Ézéchiel 47. Quand vous lisez dans les prophéties vous voyez les prophéties de Jean dans Apocalypse, vous voyez l'arbre de vie, on le voit dans Genèse. Donc vous voyez bien que les prophéties, les visions de Jean consignées dans le livre d'Apocalypse, mes amis, confirment les Écritures. On voit Daniel dans Apocalypse, on voit Ézéchiel, on voit Ésaïe. Voyez? Mais ceux qui viennent avec des prophéties, des visions où il n'y a pas la parole à l'appui, quand ils vous disent que vous irez en enfer parce que vous mettez des mèches, demandez-leur des versets. C'est parce que Paul a enseigné, c'est parce que Pierre a enseigné. C'est terrible dire à quelqu'un qui va aller en enfer, mes amis, alors que la personne n'a pas, mes amis, blasphémé contre le Seigneur, n'a pas, mes amis, péché volontairement et volé l'argent du Seigneur ou aller avec une femme d'autrui. Non, quand même, mes amis, non. On va en enfer parce qu'on pêche et parce qu'on ne veut pas se repentir. Quand Dieu nous interpelle, et si on meurt dans le péché, eh ben on va en enfer. Voilà. Mais on ne va pas en enfer parce qu'on met des pantalons, parce qu'on met des. Et si on s'habille pour séduire les autres, là, on fait le mal, on veut détruire les âmes. Et là, dans ce cas-là, si on meurt comme ça, on va en enfer. Voilà, frères et sœurs. Donc, Ézéchiel a décrit également dans Ézéchiel 13 les faux prophètes. Hein, donc, voilà, qui suivent leur propre esprit, hein, nous disent les Écritures. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, j'ai entendu la question posée par le frère avant qui a demandé l'éclaircissement sur l'affaire des cheveux et la sœur aussi qui a parlé. Et j'ai suivi l'émission depuis le début, mais pour moi, je ne dis pas que la réponse n'est pas bonne, mais Dieu, il nous a créés avec des cheveux. Il a créé chacun de nous avec des cheveux et personne n'est né sans cheveux. Mais si par exemple, on ne peut pas mettre des cheveux naturels comme vous avez parlé, je pense que les cheveux synthétiques, c'est pareil. Moi, je ne fais pas des cheveux une sorte de doctrine. Mais si par exemple, on ne peut pas mettre les cheveux naturels, parce que Dieu nous a créés avec des cheveux, pourquoi on est obligé de mettre des cheveux pour nous donner des problèmes? Parce que moi aussi, j'ai assisté à la réunion lorsque la jeune fille qui possédait les démons, quand vous commencez à prier, 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 on a passé beaucoup de temps à prier, mais on pouvait comment je peux dire, on pouvait et comment ne pas nous mettre dans cette situation à prier pour les cheveux, parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont plus importants, il y a d'autres Qu'est-ce que choses vous qui sont voulez plus dire importantes. qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce qu'on ne comprend pas ce Ce que vous que voulez dire. je voulais dire, moi, pour moi, c'est pas une question de faux cheveux brésiliens ou bien des cheveux naturels ou synthétiques, c'est pareil. Hein. C'est des cheveux, c'est pas quelque chose qu'on est né avec. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu, il nous a créé, je vous dis que Dieu, il n'a créé personne sans cheveux. Nous ne naissons pas avec des cheveux synthétiques. Non, oui, non, non. Pourquoi les ajouter? Pourquoi les rajouter? Non, mais Mais non, mais c'est même pas la peine. Le Dieu n'a pas problème. besoin de nous donner la révélation pour rajouter quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Parce qu'on en Attendez. a quand même, on n'a pas beaucoup, on en a. Est-ce On en que a. vous avez des questions à poser ou vous voulez pousser un coup de gueule? Vous voulez. Je ne comprends pas votre démarche là. Non, 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 c'est pas une sorte de démarche que j'ai fait. Je vous ai dit, mais pourquoi nous donner tous ces problèmes en mettant des cheveux pour aller prier pour les cheveux, pour enlever des démons, pour faire partir les démons? Vaut mieux qu'on reste naturel et qu'on a d'autres choses, comme si on a des maladies, qu'on a d'autres maladies incurables, à prier pour ça et tout. Parce que moi, je suis d'accord. C'est pas que je suis contre votre réponse, mais je vous dis, au lieu de faire une sorte de toute une corvée pour prier pour quelqu'un qui a mis des faux cheveux, vaut mieux qu'on prenne du temps à prier pour les malades, à prier pour d'autres problèmes. Ok, ben justement le problème, je comprends ce que vous voulez dire. Maintenant, justement, ben, comme les gens viennent, c'est des programmes de réveil, les gens viennent avec leurs problèmes, donc c'est pas des choses que nous savons à l'avance.
Oui, je comprends. Voilà, donc, et c'est pour cela que ben, quand on a affaire à des personnes comme vous avez pu assister la fois dernière, hein, des personnes comme cette jeune femme qui avait des cheveux, comment dire, naturels et qui ont. J'ai assisté à Voilà. presque toutes les réunions. Mais vous inquiétez pas, même si on n'a pas prié pour vous, le Seigneur vous a quand même béni. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Voilà, donc je compris en fait la sœur, donc elle se disait que bon ben on a passé plus de temps sur cette sœur, hein, alors que il y a d'autres personnes qui avaient des problèmes, des maladies, tout ça. Donc vous inquiétez pas, le Seigneur est celui qui gère le temps, donc il n'y a pas de souci à cela. Mais voilà, donc vous pouvez nous appeler pour poser vos questions, il n'y a pas de souci. Et l'objectif, ce n'est pas de condamner les hommes, mais de condamner les pratiques. De condamner, mes amis, les œuvres de ténèbres. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Par rapport à la révision de la Bible, par rapport à la révision, il n'y a pas de. Non, ça va? C'était juste pour appuyer par rapport au songe D'accord. ce que dit Ecclésiaste dans Ecclésiaste 5, OK. qui dit que, donc au 5, verset 2, qui dit que, car, virgule, si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir des songes parce qu'on a, ben, parce, simplement parce qu'on fait plein de choses, parce Bien qu'on sûr. est dans l'activité et on reçoit des choses, et peut-être nos préoccupations, à force de fois de se poser la question, on peut en avoir des songes qui ne viennent pas forcément de Dieu et le Effectivement. sortir comme une révélation du Seigneur alors que ça n'en est pas. Et j'ai bien aimé le passage que tu as pris tout à l'heure dans Jérémie justement 23, à ce verset-là, de ce verset 31, lorsqu'il est écrit qu'ils prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. En fait, ces deux mots parole-là, ce n'est pas la même chose. Le premier, c'est parole en tant qu'organe, la langue bien sûr, et la donne, donc il la prophétise, en fait, c'est Naham, pour ma parole, pour ma révélation, pour mon ainsi dit l'Éternel. Donc c'est vraiment ces choses-là qui dit que voilà, un songe, eh ben, ça ne doit pas, comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à Amos, être au-dessus de la parole, mais simplement on a eu la parole qui nous suffit. Et voilà, tout simplement. C'est terrible, hein? Donc voilà, donc c'est les visions, les prophéties, tout ça, c'est bien, mais il faut les analyser, donc à la lumière de la parole. Et, il faut toujours les comparer et prendre la parole et vérifier à chaque fois. Voilà. Donc, sinon, ben, vous allez vous laisser entraîner ici et là. Je prends un exemple. Si quelqu'un vient me voir pour me dire, oh non, j'ai eu un songe, David est un sorcier. Ok, tu as eu un songe, David est sorcier. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu as eu un songe, tu ne l'as pas fabriqué, tu l'as reçu. Ok, ça peut être. Parce qu'il y a trois sources de songes, hein. Il y a Dieu, il y a Satan et les démons. Donc, et très souvent, c'est la chair ou Satan. Voilà. Et quand c'est comme ça, ben je dirais, écoute, moi, la Bible me dit que je ne dois pas condamner quelqu'un, le traiter de sorcier parce que quelqu'un a eu un songe. Mais je dois regarder aux fruits. Parce que Jésus me dit dans Matthieu chapitre 7, verset 20, hein, donc verset 20, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quand on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, pour le savoir, ben je dois approcher la personne pour voir si vraiment sa manière de vivre tout ça voilà, répréhensible tout ça. Et sinon, si ce n'est pas le cas, ben, le songe, je peux le mettre de côté. Voilà. Parce que souvent, on se fait avoir. Je ne me dis pas que Dieu ne parle pas comme ça. Il peut parler comme ça alors qu'on n'a pas côtoyé la personne. Dieu peut nous montrer que voilà, un tel est sataniste. Ça peut arriver. Mais pour avoir la confirmation aussi, c'est bien beau de regarder aux fruits comme le Seigneur nous l'a recommandé. Parce que c'est lui qui nous a donné, mes amis, cette manière de procéder pour ne pas nous faire avoir. C'est-à-dire regarder les fruits des uns des autres. C'est important. Le Seigneur disait, si vous ne croyez pas à moi, croyez au moins aux œuvres. N'est-ce pas? Donc les fruits, mes amis, attestent de quel arbre nous sommes. Parce que nous sommes dans une génération de confusion, où il y a de tout. Chacun dit n'importe quoi sur tout le monde. Et hein, donc il y a tellement de calomnies, tellement de choses. Et si vous ne vérifiez pas dans le Seigneur, dans la prière et dans la parole, ben, vous allez vous faire avoir à chaque fois. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Fréchora. C'est Andrea du côté de Belfort. OK. Oui, ben, j'ai une question par rapport à une question qu'on me pose assez régulièrement sur la page Facebook TV de vie. Donc, je pense que ces personnes sont connectées et qui suivent en direct. C'est toi qui Donc, t'occupes de cette page, hein? oui, c'est moi. OK. Voilà, donc ils me posent tout le temps. Donc en privé, ces questions, donc je suis un peu très souvent submergée, mais je réponds selon ce que l'esprit me dit. Donc je pense qu'ils sont connectés là. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard
et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Ok, ma sœur Andrea. Donc déjà, je tenais à dire merci au Seigneur pour ta vie et à t'encourager, parce que j'ai découvert un jour que TV de Vie avait une page sur Facebook, et donc je vois le travail que vous faites avec vous tous, hein, qui ouvrez des pages TV de Vie, Radio de Vie, Documents, je ne sais pas, pour diffuser massivement la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont, sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, oui. Il n'y a aucun verset qui le dit comme ça, qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte. Ah oui. Et au Seigneur, la conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Donc, moi, je préfère voir la conclusion de Paul, comment il a conclu les choses, parce qu'à l'époque, les femmes prostituées étaient rasées. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaissait facilement. Et maintenant, si l'on veut traduire ce passage-là littéralement, c'est-à-dire qu'une femme ne doit pas prier sans être voilée, et si c'est le bout de tissu pour ceux qui le pensent, et, alors je dirais que ces femmes ont des problèmes, parce que, imaginez-vous, une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête, hein, à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc, hein, donc, opératoire, et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, hein, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle, lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit la saisit pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit la saisit. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier tout ça? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. En fait, tout ça, c'est complètement religieux. C'est complètement religieux. C'est condamner les enfants de Dieu. Et ça, c'est d'une, excusez-moi du terme, c'est du n'importe quoi. Et voilà. Et c'est vraiment méconnaître la parole du Seigneur. Et c'est souvent, excusez-moi du terme, il y a beaucoup d'Européens qui enseignent cela aussi, notamment les églises Assemblées de Dieu. Mais c'est aussi une doctrine qui touche beaucoup d'Africains qui font des vidéos sur Internet, à gauche, à droite, des femmes particulièrement, et qui, soi-disant, étaient en enfer, que Dieu elles ont vu des gens en enfer, des femmes en enfer qui n'avaient pas de foulard. Mais écoutez-moi, mais c'est terrible, ces femmes n'ont pas été en enfer. Ce sont des sorcières. Vous devez le comprendre, vous qui suivez les enseignements. Ce sont des sorcières qui viennent pour vous perturber. Ce sont des envoyés de Lucifer. C'est pour créer la diversion. C'est pour créer la zizanie, la confusion dans vos cœurs. Ce que Paul n'a pas enseigné, il ne faut pas l'accepter. Ce que Pierre n'a pas enseigné, il ne faut pas l'accepter. Paul n'a jamais dit qu'une femme qui ne porte pas un tissu sur sa tête va à l'enfer. Tout à fait. Tout comme Paul n'a jamais dit qu'un homme qui a de longs cheveux irait en enfer. Paul disait que c'était une honte. C'était par rapport à la culture de l'époque. Hein? Quand Paul dit que une femme pour être nommée diaconesse dans 1 Timothée 5, pour une femme pour être reconnue comme veuve, il faut qu'elle ait eu à laver les pieds des saints. Maintenant, donc aujourd'hui, si on doit soutenir les veuves, on doit demander à ces veuves de nous laver les pieds d'abord. Donc, il faut placer les choses dans leur contexte aussi géographique, historique, linguistique, tout ça là, culturel. Sinon, on va faire dire aux gens ce que les choses que le Seigneur n'a pas dites. Et c'est pour cela, ces femmes, justement, ces prédicateurs, notamment hommes ou femmes, qui enseignent comme ça, notamment ces femmes prophétesses, demandez-leur souvent là, mais est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles ont des hommes qui sont suffisamment formés pour pouvoir les aider? Tout à fait. Parce que c'est terrible. Une femme qui a la grâce, oui.
et qui n'est pas couverte par son mari, pas par un pasteur, mais par son mari, qui est son chef, selon 1 Corinthiens 11, 1 à 3, ce qui est, cette femme-là ben, peut faire des dégâts comme pas possible. Non, tout à fait, tout à fait. Et alors moi, je venais vraiment... Voilà, vas-y, vas-y. Oui, je venais vraiment le Seigneur parce qu'il y a tellement de questions parce que il n'y a pas longtemps, ben, avec le frère Nicolas qui est sur le plateau, donc il va m'aider dans la charge de la page aussi. C'est bien. Donc ça s'est fait hier. Donc parce qu'il y a énormément du boulot, donc il y a des attaques, il y a des messages, où, voilà, il y a trop de questions, mais l'œuvre du Seigneur continue et on tient ferme. On ne va pas fléchir le genou devant Baal. Amen. Donc voilà, je tenais vraiment à vous encourager et on continue voilà l'œuvre. Amen. Bien, viens nous voir un de ces jours sur le plateau TV de vie, qu'on partage un peu ensemble. Amen, amen, amen. Ok, merci. Bonne soirée. Que merci, Dieu vous garde. Merci. Voilà, c'est quand même impressionnant, frère. Et donc, Paul dit, jugez-vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Dans ce cas-là, si vous voulez, parce que vous comprenez mal Paul. Pierre le dit, hein, que les gens, dans 2 Pierre 1, 15 là-bas, 14, 15, Pierre dit, des gens mal affermis, ne comprennent pas les écrits de Paul parce qu'il avait une sagesse quand même particulière. Et ils vont tordre le sens de ses écrits et notamment du reste des Écritures. Et alors, une femme qui se fait opérer et qui maintenant n'a pas de tissu sur sa tête, doit-elle demander au docteur d'arrêter l'opération pour aller prier, chercher son tissu? Une femme qui est sortie faire des courses et sur le chemin, Dieu lui demande de prier pour quelqu'un qui est en train de se suicider quelque part, doit-elle courir d'abord pour dire à Dieu, attends d'abord que je prenne mon mouchoir? Honnêtement, les amis. En fait, c'est pour appuyer ça. En fait, là où on voit que ce verset-là, dans 1 Corinthiens, c'est pleinement contextuel, c'est que l'apôtre Paul, il dit que c'est une honte en fait, pour l'homme d'avoir les cheveux longs. Or, quand on voit dans la Bible, Samson avait les cheveux longs. Tous ceux qui faisaient le vœu de Nazira, ils avaient les cheveux longs. Les cheveux longs. Donc, soit Paul contredit la Bible, soit ce qu'il disait, c'était contextuel. Et il dira encore que c'est une honte pour l'homme donc, de se voiler. Mais le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu saint, le lieu très saint, il se voilait la tête. Donc, c'est soit Paul, ses propos-là étaient contextuels par rapport à l'époque et à Corinthe, ou soit Paul a contredit, dans ce cas-là, à la parole de Dieu, a dit que Dieu a mal fait en décidant que le souverain sacrificateur devait être voilé, ou peut-être Dieu s'est trompé quand il disait au Nanzira de ne pas se couper les cheveux. Quoi. Effectivement. Alors que Paul, on sait très bien qu'il ne s'est pas contredit. Voilà, il n'a pas contredit la parole, parce que le souverain sacrificateur se voilait la face et la tête, effectivement. Et il avait sa tiare hein, aussi. Et puis Moïse, mes amis, là, il était aussi couvert hein, de temps à autre avec un tissu. Et quand il allait parler au peuple, parce qu'il avait tellement la gloire. Donc, non, c'est très bien. Donc, c'était contextuel. En fait, il y avait un contexte. Voilà. Donc, il faut pas condamner les enfants du Seigneur. Voilà. Donc, ce n'est pas un bout de tissu qui peut nous sauver. Et voilà. Donc, honnêtement, mes amis, attribuer le salut. Et associer un bout de tissu au salut, c'est vraiment, mes amis, c'est annihiler l'œuvre de la croix. Hein, c'est réduire en poussière tout le travail que Jésus-Christ a fait, toutes ces souffrances, toutes ces années de souffrance, de galère, de pleurs, de larmes pour nous sauver. Voilà. Donc, maintenant, si Dieu demande à une femme de mettre sur sa tête un tissu véritable pour une raison X, hein, maintenant, cette femme ne doit pas en faire une doctrine. Une femme qui se dit, moi, je vais mettre un tissu vraiment pour couvrir ma tête. Mais chacun est libre. Mais il ne faut pas aller condamner les autres, frères. Ce n'est pas ça l'évangile. Et je crois que ce débat-là ne doit pas non plus diviser les envieux. Hein, nous devons nous focaliser, comme Paul le dit dans la parole, hein, sur l'essentiel. Hein, donc, Dieu va éclairer les uns des autres. C'est ça le message. Voilà, y a tellement de loups cruels, tellement de voleurs, de femmes prophétesses qui égarent le peuple que nous devons, mes amis, dénoncer. Et surtout, nous prendre position pour la parole. Alors, les enfants véritables du Seigneur, ne nous faisons pas la guerre hein, à cause des détails, des choses qui ne sont pas salutaires. Hein. Il y a quand même des choses dans la Bible qui sont salutaires. La foi, la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour, l'humilité, tout ça. Donc, voilà. Et Paul le dit, le grand apôtre le dit dans Colossiens. Il dit que pour l'instant, hein, marchons dans le même pas. Hein, donc, Dieu nous éclairera. Hein, donc, voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. En fait, je voulais vraiment vous expliquer quelque chose et poser une question par rapport à la vision, parce que je suis un tout petit peu perturbé.
En fait, un jour, je suivais une vidéo, pardon, un message, voilà. Et tu réclamais une sœur qui était avec son mari. Ils étaient proches de toi, ils utilisaient le bus de l'Assemblée et tout pour prendre les frères et sœurs à la gare, mais les deux étaient sorciers. Souvent, elles venaient pour que tu pries avec elles, j'ai mal là. Après, tu t'es dit, ah non, tu peux avoir par rapport à ces sœurs. En fait, je voulais revenir par rapport à ce que tu viens de dire. Si quelqu'un dit à l'autre qu'une telle personne est sorcier, qu'il s'approche à cette personne-là pour voir aussi les fruits. Mais c'est souvent, c'est trompeuse, parce que les sorciers, ils sont aussi, ils savent aussi comment apparaître l'apparence de la piété. Quand vous êtes à voir par rapport à ces couples, après, c'était le Seigneur qui vous a révélé comme quoi ces couples, ce sont les sorciers. Comme ils avaient donné le chikwang à un couple, ils ont okay, okay. D'accord. En fait, c'est simple. Nous devons être bibliques. Ils se déguisent en ange de lumière. Paul le dit effectivement dans 2 Corinthiens 11. Nous sommes d'accord. Comme Satan se déguise en ange de lumière, ses ministres se déguisent en ministres de justice. Ok. Mais toutefois, même s'ils se déguisent, même s'ils prennent une apparence pieuse, et la Bible nous dit dans 1 Timothée, nous devons être toujours bibliques. 1 Timothée chapitre 5. On peut prendre Nicolas le verset 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant tout jugement, mais il en est d'autres qui ne paraissent que dans la suite. Ah. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et si elles ne sont pas d'abord, elles ne peuvent demeurer cachées. Voilà. Amen. Donc la parole est claire, donc je crois que je ne veux pas commenter là-dessus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen, frère. Sois béni. Que Dieu soit béni. Bon courage. Merci. Avec le temps, les œuvres mauvaises finissent par se manifester. Ils ne peuvent pas rester longtemps cachés. Ces faux enfants de Dieu. Voilà. Leurs œuvres sont manifestes, elles sont dévoilées avec le temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais attention de ne pas condamner, dire que quelqu'un est sorcier. N'ajoutez pas crédit. Hein. N'accordez pas du crédit aux propos, aux visions, aux songes que les gens reçoivent sur les frères et sœurs comme étant des sorciers, des sorcières. Il faut prier que Dieu vous parle aussi. Hein. Quand même, vous avez l'Esprit de Dieu aussi. Voyez les fruits de ces personnes. C'est important. Parce qu'on peut, quand c'est comme ça, mes amis, alors qu'on est enfant de Dieu, on peut aussi devenir enfant du diable ou exercer la fonction de Satan en accusant les vrais enfants de Dieu. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. En tout cas, l'objectif ce soir, c'est d'éclairer, d'apporter un équilibre pour que les enfants de Dieu aient suffisamment d'éléments pour ne plus se faire avoir par des soi-disant visions, prophéties, tout ça, ou doctrines qu'ils peuvent entendre ici et là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelais pour poser une question. Je voulais savoir quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication, et aussi qu'est-ce qu'une femme peut faire, la prédication, l'enseignement ou les deux. Ok. Ah, donc là, c'est deux questions. Donc, c'est quoi la différence? Quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication? Nous sommes tous. Selon la Bible. Tout à fait. De toute façon, les réponses ne peuvent provenir que de la Bible. Nous prenons le retour à la parole. Merci, ma sœur. Donc, prêcher, c'est parler de la part du Seigneur. Et prêcher, c'est crier. Hein, donc, tous les chrétiens sont prédicateurs. Tous les chrétiens. Nous sommes tous prédicateurs, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Donc, nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés pour annoncer Christ. Comment? Par d'abord notre vie transformée. Selon 2 Corinthiens 3, nous sommes des lettres. Nous devons être des lettres. C'est des témoignages, hein, donc des expressions d'amour du Seigneur et par notre manière de parler, de nous habiller décemment, effectivement, hommes ou femmes, et aussi par la proclamation
témoigner de Christ, hein, en parlant à nos voisins, à nos collègues, au travail, tout ça. Donc ça, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Il n'y a pas besoin d'être pasteur, prophète, apôtre, docteur pour le faire. Non. Ça, tout le monde peut le faire. Donc, cette prédication, et ça peut être aussi une forme d'enseignement, parce que enseigner, c'est tout simplement instruire. Donc, en prêchant, on instruit forcément les gens. Voyez ? Dans ce sens-là, enseignement et prédication, c'est la même chose, parce que prêcher, c'est parler de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur, c'est annoncer quelque chose. Donc, on enseigne, on instruit, on exhorte, on fortifie, c'est la même chose. Maintenant, il y a un autre type d'enseignement. Là, c'est la pose des doctrines. Donc, Jacques 3 nous dit que tout le monde ne peut pas se mettre à enseigner. Ça, c'est la pose des doctrines. Voilà. Et c'est ce que Paul, Pierre, Jacques et Jean, tout ça ont fait. Et on a vu dans les Écritures que, effectivement, c'était plus les hommes qui ont eu à faire ce travail. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire. Une femme peut enseigner, prêcher, si elle est inspirée de Dieu, mais poser de doctrines ici et là, et homme ou femme, c'était vraiment plus l'affaire des hommes. Maintenant, Paul dit que les femmes âgées, les femmes peuvent enseigner aussi les jeunes femmes, leur apprendre comment aimer leurs enfants. Et voilà. Mais une femme qui reçoit quelque chose de la part du Seigneur, prédication, enseignement, peut partager cela, il n'y a pas de problème. Mais de là à l'établir pasteur pour diriger une église, non, là, on n'a pas vu ça dans la Bible et tout ça. D'accord, donc une femme peut enseigner, mais pas sans forcément avoir un titre de pasteur, mais peut quand même enseigner. Ben, de toute façon, si elle a reçu quelque chose clairement de la part du Seigneur pour partager, parce que beaucoup sont souvent hypocrites. Ils vont dire la femme ne peut pas enseigner, mais elle peut exhorter. Mais écoutez, c'est quoi enseigner, exhorter, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des synonymes pour moi, là, parce que on met seulement, c'est des synonymes. Voilà, parce que quelqu'un qui exhorte les autres, exhorter, c'est encourager. C'est fortifier. Donc, un enseignement sert à quoi? À fortifier, à encourager. Et il y en a qui pensent que enseigner, c'est l'enseignement, c'est quand on parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. On peut, en parlant pendant 2 secondes, 3 secondes, on peut enseigner les gens. D'accord. Parce que enseigner signifie simplement instruire. C'est l'instruction. Maintenant, Paul ne voulait pas que les femmes aient l'autorité sur les hommes, parce qu'à l'époque, effectivement, ces femmes faisaient n'importe quoi, on le voit, hein, dans 1 Corinthiens notamment. Et c'est pour cela que la femme qui a vraiment le ministère public, qui est appelée par le Seigneur pour aller ici et là, crier de manière permanente, hein, comme Aquilas et Priscille, eh ben, vaut mieux que ces femmes-là soient à côté de leurs époux. Soyez encouragés. Voilà, merci. Parce que si elles ne sont pas, elles n'ont pas les hommes à côté d'elles, eh bien, imaginez, regardez bien, hein, Ève, Adam, l'a laissé seulement quelques secondes. Hein. Voilà, il était à côté, Adam, nous dit la parole. Mais quelques secondes ont suffi pour que Ève, mes amis, aille copiner avec le serpent. Hein. Voilà. Donc, c'est terrible. La femme est un être aussi très sensible. La parole le dit, hein, c'est un vase fragile. Hein, Pierre le dit dans 1 Pierre 3, c'est pas Chora, c'est Pierre qui le dit. Un vase, c'est-à-dire un sexe faible. Voilà. Donc, si elle est seule pour faire le ministère, ben, je peux vous assurer qu'il y aura des dégâts. Voilà. C'est pour ça que même les hommes, Paul a prévu des collèges. Hein, il faut des collèges. Parce qu'une femme seule peut devenir rapidement une vraie, vraie Jézabel. Je vous assure, hein. Surtout celles qui chantent, les chantres, la frère, il faut prier beaucoup pour elles. Elles sont terribles parfois, là, parce qu'elles ont le pouvoir après, là. Elles ont le pouvoir sur les hommes. C'est terrible. C'est pour cela que Paul dit que l'homme est la tête de la femme. Donc une femme qui devient tête, qui se met en avant, mes amis, selon la Bible, ça devient dangereux. C'est pour cela, sous la loi, mes amis, c'était l'homme, Aaron, qui allait devant Dieu. Voilà. Et dans chaque famille, c'était l'homme qui était le sacrificateur, le chef de famille. Et la femme, bien sûr, qui est couverte ainsi par son chef, dans l'amour, elle va être plus et plus épanouie. Voilà. Mais si elle se met au-dessus, selon les Écritures, là, eh bien, voilà, Acab, vous avez vu comment Jézabel a pris la place? Eh bien, Jézabel, mes amis, il y en a plein aujourd'hui de Jézabel, hein, qui sont sur Internet, qui font des enseignements, des vidéos.
Hein, il y en a qui interdisent aux femmes d'enseigner, en même temps, ils collaborent avec elles pour faire des vidéos à gauche à droite. C'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui. C'est la confusion aujourd'hui. Il faut vraiment veiller. Chacun doit être à sa place. Voilà. C'est pour ça que dans la Bible, on n'a pas vu Jésus-Christ prendre une femme et l'établir apôtre pour dire qu'il y avait des femmes qui étaient autour de lui, qu'il a utilisées, qu'il a, mes amis, utilisées puissamment. Hein, donc, dans Acte 2, on voit ces femmes parler, hein, prophétiser, enseigner, prêcher l'évangile lors de la naissance de l'Église. Mais Jésus-Christ, notre maître, est notre modèle parfait. Il n'a pas pris une femme pour l'établir prophète et apôtresse, pour lui donner à gérer une assemblée, parce qu'il faut protéger la femme. Et voilà. Donc, que Dieu soit béni pour nos sœurs qui aiment le Seigneur, qui comprennent ces choses, qui servent le Seigneur avec les enseignements, les exhortations que le Seigneur leur donne, parce qu'elles sont inspirées, mais qui aussi, en même temps, veulent être des femmes de Dieu d'abord, hein, au lieu de vouloir dominer les hommes, des femmes de Dieu, des mères dignes de ce nom, des épouses dignes de ce nom, et nous le saluons ce soir. Croyez-moi, je ne suis pas misogyne. Que Dieu soit béni, que Dieu vous garde, nous Yeshua. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui. Oui, bonjour. J'aurais une question à poser. D'accord. Est-ce que c'est un péché pour une chrétienne d'avoir un piercing sur le nez? Est-ce que c'est un péché pour un chrétien d'avoir un piercing sur le nez? Je ne dirais pas que c'est un péché, mais je dirais plutôt que... alors, pourquoi avoir un piercing sur le nez? Parce que tout ça, là, ça va attirer le regard des gens sur toi. Oui. Tu vois? Donc, alors, vaut mieux, quand on est chrétien, de tout faire pour être discret. Voilà, donc, parce qu'on sait que le piercing est un... c'est la mode, c'est le monde, c'est voilà, donc on sait se déconseiller, voilà. On ne va pas dire que c'est un péché, mais se déconseiller parce que c'est quelque chose qui peut te pousser au mal. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Alors, garde ton nez comme Dieu l'a créé, ne va pas faire des trous partout. D'accord. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Parce que même pendant qu'on respire, après l'air passe par le... C'est compliqué là, mes amis, là, il faut... Hein, le souffle passe par le trou qu'on a fait là. Donc il faut boucher tous ces trous là, c'est important. Voilà. Il faut garder les orifices naturels. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, David, pour la Bible, combien avons-nous aujourd'hui? Et nous voulons dire merci aux frères et sœurs pour tout ce que Dieu fait. Oui, donc pour la Bible, donc, comme tu le sais, on avait besoin de 83 900 euros pour l'impression des 10 000 premières Bibles. D'accord. D'accord. Et à aujourd'hui, on en est donc à 92 200. D'accord. Donc on est... On a près de 8 000 euros de plus. Voilà, c'est ça. Un peu voilà. Plus. Donc plus de 8 000 euros de plus et par rapport à la somme originelle. Hein, donc, c'est ça. Et que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et comme on vous le dit souvent, on est encouragé. Et donc, je me rends compte, en fait, que voilà, donc on est lancé encore sur 10 000 autres exemplaires. Hein, tout à fait. Avec ces 8 000 euros déjà de fonds. De fonds, oui. Hein, donc, c'est quand même encourageant, hein, Nicolas, frères et sœurs. Voilà, que Dieu soit béni vraiment pour votre soutien. Parce que nous voyons hein, des mails que vous nous envoyez, des courriers que vous nous envoyez, des chèques. Hein, donc, je t'en ai remis encore 3 aujourd'hui. Que j'ai été récupéré à la boîte aux lettres. Donc, c'est vraiment encourageant de voir des frères et sœurs de la Guadeloupe, la Martinique, des îles, tout ça, du monde entier et, qui soutiennent. Et on est encouragé, tout simplement. Et de nouveau, donc, on est parti sur 10 000 autres exemplaires. Hein. Donc, ça va faire 20 000 exemplaires. Si à l'allure où ça va, donc, je ne sais pas. Hein. Oui, juste, en fait, c'était juste pour... voilà, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde encore. Je suis un peu à la traîne, donc je vous demande pardon. En tout cas, on répondra à toutes ces personnes qui ont envoyé, hein, parce que c'est important aussi de tenir ouais, compte. Tout à fait. Voilà. J'ai un peu de retard là avec tout ce qu'il y a à faire, mais je n'ai pas oublié. Voilà. On va leur envoyer un petit courrier pour voilà, c'est ça. Des remerciements. Tout à fait. Et par rapport à leur soutien, parce que quand même, c'est encourageant oui. De voir des gens qui envoient des chèques de 30 euros, 20 euros. Ça nous encourage, même si c'est 0, même si c'est 1 euro, 1 centime. Là, n'est pas le problème. Vous savez qu'on travaille pour l'argent. Nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Cette œuvre que vous voyez se faire là, c'est vraiment une œuvre qui se fait par la foi. Et grâce à vos prières, frères et sœurs, d'abord à Yeshua, et à vos prières, et à vos conseils, vos suggestions, et vous vous rendez compte vous-même comment les choses avancent, comment le Seigneur guérit son peuple, des guérisons, des cancéreux,
des gens de toutes sortes que le Seigneur guérit, des gens qui viennent de partout. Et voilà, donc on a reçu des gens de Marseille qui nous ont fait encore un don de 2000 euros, je crois, si je me trompe, en tout 2200. Donc que le Dieu se souvienne de vous en tout cas. Merci. Vous voyez, nous voulons travailler dans la transparence. L'argent que vous envoyez pour la mission, pour un projet bien défini, n'est pas utilisé, n'est-ce pas, pour nous. Et vraiment, que le Seigneur soit béni, frère. Parfois, on est là, on se dit, Seigneur, c'est dur. Et ensuite, on se dit, on n'a pas le choix parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés et on ne veut pas les décevoir, on ne veut pas te décevoir, Père. Et merci parce qu'on se sent, on sent qu'on n'est pas seul. Nous sentons vraiment que nous sommes soutenus, nous sommes portés. Et pensez beaucoup à nous dans vos prières. Que Dieu nous donne la santé, la force pour continuer à faire l'œuvre. Que toutes les flèches de l'ennemi soient brisées. Que toutes les langues soient confondues. Que toutes les personnes qui s'élèvent contre nous, contre cette œuvre, soient, n'est-ce pas, confondues. Et nous bénissons toutes les personnes qui nous maudissent. Nous prions pour ceux qui nous persécutent. Nous bénissons les gens qui se lèvent contre nous. Et nous n'avons pas d'autre ennemi que Satan, le diable et ses démons. Et nous voulons, mes amis, dire merci, un grand merci à notre Père Céleste pour l'œuvre de la croix. Voilà, donc que Dieu soit béni, bonne continuation. Donc je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Voilà, frères et sœurs, donc bientôt vous aurez votre Bible. Et rappelez-vous bien que le 19 décembre, nous serons à Sarcelles pour une nuit d'action de grâce de 18h30 au lendemain 6h ou 7h. Voilà, et donc c'est une salle qui peut contenir, je crois, 2500 à 3000 personnes. Ils sont en train de l'agrandir. C'est une salle que nous avons louée, la même que nous avons louée pour le programme du 21 décembre 2012. Voilà, donc, et c'est lors de cette veillée d'action de grâce que nous allons, c'est pendant cette veillée que nous allons vous distribuer la Bible de Yeshua, le Messie, la Bible de Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à tout le monde. À demain, 20h30 heure de Paris, sur vos antennes TV Radio de Vie. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.